Allez, c'est parti pour la grande finale. Entre les deux Gold. Avantage clairement au niveau du match-up pour Gold Rock. Et malheureusement, on voit pas. Voilà, c'est deux pour moi déjà. Le 2-2B qui passe, le 1A derrière. Pour l'instant, avantage. Grid dans ce round. Et oh là là, bien joué, l'esprit de la chop. Le 2-kick, le 2-kick, voilà, il lui met. Il lui met la pression pour éviter de se prendre n'importe quoi. De toute façon, il a le droit. Avec Natsu, vous avez le droit de bourrer. Hein. C'est un perso, vous avez même pas besoin de la garde. Vous pouvez appuyer sur A, B ou K, ça passera toujours avant l'adversaire. Hein. Comme on dit à Soul Calibur, le bouton garde, ça fait pas de dégâts. Donc, faut bourrer. Avec la shop spé en B. Oh là là, bien joué le counter là, trouvé par Grid. Oh là là, est-ce que ça va faire wall ça? Oui! Hop! Oh non, ça fait pas wall! Oh là là, bien joué encore des skills de la shop. La bombe qui passe pas. Oh là là, il a pas puni là le 4-4A qui avait whiffé. Ça whiff des deux côtés là, ils veulent pas se toucher. Oh là là là. Le match des BZ là, ça vole de droite à gauche. Et voilà, on vise les pieds pour finir comme d'habitude. Et Grid qui prend le deuxième. Round. Oh là là, bien joué le 2-2 qui a. Oh là là, leur mode encore une fois. La shop spé ça passe pas. Oh la shop spé qui passe. On chope en A et on sort. Premier match pour Grid. Ah, faut faire extrêmement attention à son placement sur le terrain quand on joue Asta. C'est très important parce que si vous êtes près du bord, il va vous sortir. Si vous êtes près du mur, il va faire un combo qui va vous faire plus de 200 de dommages. Faut être très 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 prudent. Et donc voilà, là il est déjà sur un ring qui est déjà un peu plus grand. C'est pas l'idéal. L'idéal pour jouer Asta, c'est les mondes infinis. Et donc Goldrock, il va falloir qu'il revienne à la marque. Bull rush, bull rush, bull rush. Oh là là, ça voilà, bonne punition aussi 6B là, du whiff. Le 2 AB, ça whiff de l'autre côté. Oh là là, bien joué ça, le counter avec le AB et le A plus B. Comme vous l'ai dit, hein, faut, avec le perso, faut bourrer et vous gagnez. Le bull rush. Le 4 kick, le 4 kick. Oh, bien joué, un kick avec le 6B B-up derrière. Oh là là, là, ça arrive de l'autre côté, la chope de dos, superbe. Il a pas eu peur de se prendre le BTB plus car. Il a peur de rien. Il bourre encore plus que dans le premier match. Et il a bien raison. Oh là là, superbe encore l'esprit de la chope. Et le POB, le coup qui fait bien mal. Ah, quand vous prenez ça, vous êtes pas content. Hein. Oh là là, le Just Guard avec le 6-6B malheureusement qui punit pas. 6-6 kick. Le bien joué le bull rush qui touche counter. Oh là là, le GX. Oh là là là. Natsu, c'est le seul perso qui peut punir le bull rush avec A6. Alors il faut être. Il va falloir que Gold Grid soit très minutieux avec son utilisation du 6 kick. Du 6-6 kick, pardon. Parce que s'il met sa garde, c'est puni. Et là, Rock qui revient à la marque, un partout. Rappelle quand même que Gold Grid va devoir reset, ça va pas être évident. La shop qui va devoir reset sur toutes les shops, Rock. Hein. Il est out, il est au claqué. Hein. Bien joué le 6-6 kick. Oh là 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 là, le 9B. 4B derrière. Oh là là, la chope qui passe pas. Ça se regarde pour l'instant. Ça fait le tourniquet. Il va jouer sur la barre de garde. La chope, et ça fait mal ça. Allez, faut mettre la pression. Un kick, ça a touché. Dommage, il a pas pu mettre un meilleur combo. Le A plus B. Oh là là, la chope qui passe pas. Allez. Oh là là là, ça chope pas, ça passe pas encore. Il essaie d'anticiper des gardes basses. Il est en train de perdre tous ses man games Gold Grid, ça doit l'agacer. Ah ah voilà, c'est puni, ça punit tout. Ah ah, voilà, encore une fois, la chope qui passe pas. Bien joué le 6-6. Ah. Oh là 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 là, c'est encore esquivé. La chope qui passe pas, il se baisse encore. Oh là 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 là. Il voit toutes les chopes. Hein. Oh là là, et voilà, il a trouvé le counter pour une fois. Voilà, super le combo avec le armor mode derrière. La chope spé, voilà. Je t'ai bien calmé. Qui met le TRUA. Voilà le 6-6
kick, ça fait bien mal, un kick avec le abscisse derrière. Je pense pas un point d'avantage. Ouh, ça revient vite hein, avec Asta. C'est mal. On est au même niveau de vie là. Oh là là, la punition du whiff avec le 2B Bravage et le saut en l'air. 2B, attention, ça peut revenir très vite avec Natsu quand même. Hein. Au niveau des dégâts, c'est quasiment équivalent. Oh là là, il a pas pu faire le air combo. Le C6B qui passe pas. Donc il est tout vite, C6B, il peut pas finir. Voilà, c'est pas super comme punition. Alors qu'il a mis un Just Guard. Allez, le dernier man game. Oh là là, ça vise les pieds, il a mis un Just Guard. Oh, il est super chaud là, Rock, mais malheureusement, il n'arrive pas réussi à confirmer. Et Goldrick qui reprend l'avantage. Oh là là là, le double touche. Pour l'instant, oh, bien joué la punition là du whiff avec le 6-6B Bravage. Oh là là, le A6 malheureusement, s'il ne peut pas faire de wall combo, il baisse encore. Oh là 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 là. Il voit toutes les chopes. Hein. Il s'en prend quasiment aucune. Et là, il revient un peu partout. Le bull rush qui passe. Ça passe en counter. Voilà, et maintenant il va mettre la pression. Bien joué le 6-6 qui clique pour repousser l'adversaire. Le armor mode qui passe pas. Voilà, il va essayer de bloquer le Fusca. Ça va toucher. Le 2-2B avec la Bravage. Là, c'est derrière. Il prend tout. Le. Oh là 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 là, ça fait super mal. Et on vise les pieds pour terminer. Et Goldrock qui mène maintenant par 2 matchs à 1. Il a un match de la victoire. Goldrick qui va falloir. Oh là là. Et Goldrick qui décide de counter pick avec Maxi. Le Maxi, le perso, tu appuies sur n'importe quoi, ça te fait tuer, ça te fait découper tous les combos de la terre. Alors c'est risqué hein. Celui, il a une très bonne connaissance du match-up aussi, Goldrock. Mais au moins là, il pourra peut-être punir Grid. Et là c'est quand même mal parti. Oh là là, le relevé kick. Oh là là, le whiff qui est bien puni avec le 6B, ça fait bien mal. Bon avantage pour Goldrock. Qu'est-ce qu'il va faire? Le petit kick. Et il a anticipé le backdash. Il met 6B et il prend le premier round. Oh là, ça va être très difficile là pour Goldrick de revenir. Il va falloir qu'il ait la foi. Oh là là là, il met la bonne pression. Le APT qui passe par contre. Oh là là, ça va être puni en effet avec le A6. On vise les pieds. Oh là là, il se prend encore le follow-up du 6-6AB. Voilà, bonne punition. Watch out. Oh là là, le BL de Puska. On met la pression, 6 kick. 9B. Allez, comment ça va se terminer? Oh, bien joué. Boum, voilà. Superbe anti-step qui a touché counter. The battle 3. Fight. Un round partout. Oh, superbe là. Notre counter. La chope qui passe bien. Bien puni. Oh là là, super le but Just Guard avec le 6 à côté de Bravage. A 6. Ça vise les pieds, c'est bien gardé. Oh là là là, il s'est tout pris là. Il a pas mis sa garde. Et il mène maintenant par 2-1. Cris. Et il va falloir qu'il remonte. Allez, c'est possible. Oh là là, bien joué le counter là. La boucle qui est pas passée en tech trap malheureusement. De l'autre. Oh, bien joué le Bravage. Il cherche l'arnaque avec une bombe. Ah ah ah, ce qui touche counter. Ça sort pas l'adversaire malheureusement. Hop, allez, on passe de l'autre côté. Il va essayer de jouer le ring out sûrement. Non, bien placé de la part de Grid. Enfin de Rock, pardon. Oh là là, ça passe par derrière. Ah, voilà, bien joué, interrupt avec le kick. La chop spé. Et voilà. Et maintenant, Rock qui a un round de la victoire. Est-ce qu'il va confirmer ou Grid va revenir à 2-2? Oh, bien joué le backdash avec la punition derrière. Oh, le 6-6 qui touche counter. Ça fait bien mal. Et là, bon avantage déjà pour Rock. Le 2-2 BK wiffé, ça a pas touché counter pour anti-step. Et la bonne punition, superbe. Allez, il reste un dernier man game pour la victoire de Rock. Le 2-2 qui passe et le 1-1-1 et c'est terminé. Victoire de Gold Rock dans ce Stunfest. Les Gold. Goldrock qui préserve l'héritage des Gold et qui remporte ce Stunfest. Très très bien joué de sa part. Et très très bien joué aussi de la part de Gold Grid qui a fait un très très bon match avec son Asta et son Maxi.